Yo tout le monde, c'est Guy, on se retrouve aujourd'hui sur la map Rush en compagnie de Green, Salut! en compagnie de Kikan et en compagnie de l'assassin Kizur. Yo! Et bah, on y va alors. Ouais. XD les kills. Déjà ça commence, bordel, c'est quoi ce délire? Attends, on va dans le orange pour prendre Pour l'équipe prendre bleue. le bleu. Ah, c'est vrai que c'est logique. Oui, c'est un bug. C'est vrai que c'est logique. Bon, bah on se met en. Attendez, On conf se prend séparé. pour se séparer? Ouais. Ouais. Allez. C'est bon. Oui, c'est bon. Attends, je les exclus de la conf parce que s'ils reviennent et qu'ils nous écoutent. Retirer la personne de ce groupe. Attends, Retirer la attends, personne de wow. ce groupe. Voilà. Ah, n'avez pas tout de suite sur le machin. Player 7. N'avez pas tout de suite dessus. Ouais. Mat. Mort. Ah non. Oh, c'est kill. Kill. Zéro. 0. Voilà. Oh, j'ai Kinsur. pas Kizur, trop de mais cerveau. pareil pour Kizur. Attends, j'ai pas fini. Je fais encore autre chose. 7-0 à tout mort. Voilà, c'est bon. On est actuellement mort 0. Attends, non, Ok. j'ai une petite erreur. Allez, grouille-toi là. Ouf. Tout péché. C'est bon, pas grave. On peut. Allez, c'est parti. Eux, ils ont été TP ou c'est un bug? Ok, c'est bon. Alors, on continue alors. Les amis, il a pas voulu me répondre. S'il répond pas, je vais faire une petite pause et puis. Répond. Ouais. Voilà. Toi, t'as essayé de lancer Fraps. Non, au contraire, j'ai essayé de l'éteindre. T'auras jamais de toucher. Dors dans le vide, dors dans le vide. Oui, c'est exact. Avant de faire des conneries. T'as à bord de quoi? J'ai dormi, moi? Vas-y, bah c'est bon, t'as dormi assez longtemps, je pense. Alors, je suis à la Ouais. cage actuellement. Et j'ai Oh non, zappé. mon Dieu! J'ai pas de vie, je suis mort! Oh, regardez! C'est le centre. Alors actuellement, si tu veux savoir par combien il y a de morts, on apparaît dans la liste. Attends, attends, Après, attends. t'as la vie. T'as la vie, y a tout. Parce que si par contre on est dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Donc j'ai vraiment mon masque là. C'est parti pour pouvoir commencer. Normalement, lui, il est vert, du coup. Ouais, c'est ça. Tiens. Gogol. Attends, du coup je. Tiens, je t'ai donné un truc. Ouais. Attends, autour du lit, on met de la truc de laine. T'as oublié de prendre ton armure, du coup. S'il te plaît, voilà, c'est bon, en fait, ce que j'ai besoin. Je te pique un peu grand, je vais le ramener. C'est seulement qu'en fait, j'ai enfermé l'autre. Voilà. Tout
Bon, j'attends d'avoir, hein. Ouais, je commence Ok, à parler. passe là, passage super long pour les viewers. Je vous mettrai le moment où ça reprend, hein, à mon avis, parce que là. On fait comme ça, lui on laisse de côté. Oh, c'est vrai, du coup c'est de l'autre côté. Attends. C'est là du coup. Non, encore à côté. Pour l'instant ça rend pas mal comme ça. Putain, ça sent bon chez moi là, je sais pas ce qui se passe, mais pouh. Non, ça veut pas dire que ça pue d'habitude, hein. C'est parce que ma mère elle fait un truc à manger. Ouh. Ça sent bon. Attends, on va laisser un truc. On va laisser une sorte de. On va faire un truc de genre un peu. Je vais essayer de pas tomber cette fois. Alors, ce coup-ci, ouais, le lit, quand on sort du lit, on va. T'es tombé. Non. J'ai failli, mais non. Ah. Ce que j'aime bien, c'est le. J'ai failli, mais non. J'ai failli, t'y as cru, hein, mais non. Tiens, regarde, je te rends. Je te donne tout ça là parce que je n'ai pas besoin en fait. Oups, erreur. Je vois apparaître leur base. On va dire qu'on sort ce coup-ci de côté, on sort à côté du. La photo, je vais en profiter tant qu'il fait jour, tant qu'il fait nuit, d'avancer. Ah, c'est qui... un truc. Parce que sinon les mobs vont spawn. Oh, c'est pas grave. Tiens, c'est pas grave. Il vaut mieux ne pas avoir de mobs. C'est sûr. Voilà, donc les mobs ne se prendront plus. Parce que tu vois, j'ai un truc qu'on se retrouve avec. Ouais, avec 15 000 mobs sur le chemin, puis. Surtout quand t'as des creepers sur le chemin. Catastrophe, c'est genre t'es. Oh non, le chemin! Non, c'est aussi quand quand tu vois un creeper à côté de ton cul et que tu spawns. Tu sais, le gars, tu vois, il essaie de le faire à l'arc et là t'as le gars qui spawn à côté du lit et qui vient de mourir. J'ai pété un peu toute la base. Il va arriver dans une de nos parties. Ok, je fais le chemin jusque leur base là. Oh oui, tu m'en dis pas là. La dernière fois, ils nous ont pas attaqué. Ils peuvent pas nous attaquer par le bas. Bah si, moi c'est ce qu'on faisait avec des potes avant. On faisait un chemin par le haut, genre où il y en avait 15 qui passaient par le haut. Il y en avait juste un. Un, ça suffit. Il y en avait juste un qui passait par le bas. Et du coup, il arrivait par le bas et par derrière, il allait les pousser, puis il les défonçait. Comme un bâtard. Merde, ça y est, ça se lève. Ça se lève. Non, le faut que je me dépêche. Il y a un truc que j'ai déjà fait qui est assez sadique. Comment dire. Et tu vois, c'est de... d'arriver à monter sur le toit d'une base et de s'amuser à boucher leur entrée. Tu sais, parce que t'as une entrée pour passer sur le toit. On va dire que moi, le premier truc que je faisais, c'était je monte quand j'arrivais. Quand je suis arrivé, c'est je montais, je suis allé fermer leur entrée, je m'amusais dès qu'ils voient un trou, hop, je fermais. Je suis au-dessus de leur base. Au-dessus de leur base, oui, je m'amusais, ils ouvraient dès qu'ils voient un trou, je fermais. Non, je te parle, je suis au-dessus de leur base. Déjà ? Eh ouais. Je reviens. Ouais, bah c'est ça. Si on a de quoi acheter de la TNT, achète-en avec un briquet, on fait tout péter. Non, on va plutôt commencer d'un parachat parce que c'est là que quand ils pointent et qu'ils ont un arc en main, on est mort. Moi j'en ai un. Je te le filerai et pendant ce temps-là, je prendrai la TNT. Bah, c'est bon, alors.
Ça va être rapide, je pense, cette partie. La TNT. Non, c'est de l'autre côté, du coup, je suis bête. Oh nickel, je peux en acheter 9. Enfin, je peux en acheter 3, pardon. Et le briquet. Avec 3, ça devrait aller, je pense. 3 TNT. Oh, c'est les 3 TNT qui sont bien placés. Faut simplement qu'ils gagnent pas le briquet et les 3 TNT, quoi. Faut pas qu'ils utilisent notre truc pour nous péter la gueule aussi, c'est ça qui serait pas mal. J'ai 4 TNT, ok, c'est parti. J'ai. Voilà. Avec ma méthode du double passage. Alors, attends, je vais faire juste un petit truc puisque ça me gêne. Alors, actuellement, il n'y a aucun mort. Enfin, j'arrive dans une seconde. Ah la vache! Oh, j'ai failli tomber. Bon, je charge jamais, le moment crucial est arrivé. Ben, j'y arrivais. Je crois qu'ils ont pas capté qu'on était au-dessus en fait. Mec, Alors, attention, t'es chaud. C'est parti. Je lâche la TNT. Première TNT. Première TNT, elle vient leur péter la gueule. Mec, t'as enlevé le plugin pour les explosions? non, j'ai pas pour les explosions. Pourquoi ça pète les blocs? Ça pète pas les blocs. Mais si, ça pète les blocs. Mais non, ça n'a pas pété les blocs. T'as mal foutu. T'es sûr que c'était pas de la roche N? Non, 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 non. Ça n'a juste pas pété les blocs. Si, c'est bon. C'est bon, en fait, ça vient juste d'apparaître. Je me disais. J'ai pété leur lit! J'ai pété leur lit! Yes! Les TNT bien placés! Y a une différence entre péter leur lit et comment dire récupérer. C'est simplement que le lit soit pété qu'ils le récupèrent pour leur poser. T'es sûr? Ok, on va descendre. Quoique, t'avais fait qu'une TNT là? J'ai plus de TNT là, j'ai tout fait péter. Pff, oh merde, c'était trop haut. Tu les vas courir sur ton petit gars. Merde, mec, j'avais un arc super enchant et une épée, putain. Je suis dégueu. Mon problème maintenant, c'est que je parlais dessus avant que je me tue. Mais t'as quoi? T'es bien équipe ou pas? Eh ben, t'as des blocs ou pas? Tu viens de l'acheter dans le vide. Ah non, c'est bon, je l'ai. T'as des blocs? T'as des blocs? Non, je vais en ramener, j'en ai quelques-uns. Mais pas assez. Il nous faut des blocs pour descendre et ensuite leur mettre la misère. Ils ont plus de lits. Ils ont peu de lits, faut les emprisonner. Faut les emprisonner, pardon, pas emprisonner. Des blocs. Ah non, c'est de l'autre côté, du coup, j'avais oublié. Vite, donne-moi des blocs. Attends, tiens, j'ai mis un stack mini dans le coffre. C'est bon, on y va. On y va, là, le but, c'est de les défoncer. On se grouille. J'arrive. Et passe, hop. À côté, une épée. Mec, ça va être chaud de descendre, par contre. Plein d'épées level 3 dans le coffre. Non, c'est pas grave. Là, comme ça, je me sens cassé à deux. Pour l'instant, ok. Si pour l'instant, t'as une mort, mais zéro qui.
J'ai pété leur lit et non, c'est bon, ils l'ont plus. Ils l'ont plus, il est pas replacé leur lit. Putain, mais mec, je sais pas du tout comment on va faire pour un. Après, il y a un gros trou en toi, oui. Il y a fait un beau trou en toi. Ouais, j'ai fait un bon gros trou. Faudrait que je. Attends, j'ai une idée. Attends, arrête de bouger, arrête de bouger. Je vide mon stuff. Regarde, tiens, garde ça. Tiens, garde ça. Regarde, garde ça. Hop. Hop. Garde un Hop. bloc quand même. Je vais essayer de faire un truc, mais je suis pas sûr d'y arriver. Merde, ça te l'a rendu. Tiens, garde ça. Ah, vas-y, il se dépêche de construire dans ta, dépêche-toi. Garde tout ça, vite! Garde tout ça. Voilà. Merde, j'ai pas eu le temps. Putain, j'ai pas eu le temps. C'était trop rapide. Ah putain, fais chier. Ah ouais, mais ce serait, ça va être casse-couille aussi. Mais ils savent pas quoi faire et je leur ai pété leur lit, mec. Ils sont dans la merde. Ouais, je sais. J'ai cru qu'en pétant leur lit, ça allait être fini, mais il faut les tuer, il faut qu'ils réapparaissent dans la prison, c'est ça. Hein. Ouais, y a pas de prison. La prison, c'était une œuvre à moi. C'est simplement qu'ils respawnent, ils réno-spawnent, mais merde, on verra tout de suite quand ils seront morts. Dès que tu reviens. Oh là, ils sont sortis. Oh non! Bah une nulle. Ouais, je t'entends, t'inquiète. T'as été tué par nul à l'arc. Oh la vache! C'est pas grave, j'ai déjà une épée level 3. J'ai des blocs. Mec, en plus, ils ont récupéré mon arc cheat. Oh, les bâtards, les bâtards, les bâtards. Ils ont récupéré un arc level 1. Non, 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 non. L'arc que j'avais, moi, il n'était pas level 1. Ça explique pourquoi ils m'ont foutu en deux flèches. En fait, la chose, le but, c'est d'acheter ma TNT et le serpent de faire péter à moi. Bah, faut rester à la base pour ça. Et si on se fait rush. En plus, ils ont plus qu'à utiliser nos ponts qu'on a fait. Oh putain! Vas-y, on se casse, on rentre à la baraque. On rentre à la base, on va y acheter notre compte. Ouais. Ouais, non mais. C'est son pote là qui tire, il est balèze à l'arc. Ouais, c'est l'assassin. Ouais, c'est l'assassin. C'est pas. Non, non, bah c'est pas Kikan. Kikan, il est pourri à l'arc. On s'en était mieux sorti à la salle d'avant quand même, hein. La TNT, ça coûte 3 de fer. Aïe, je me suis fait mal. Et par contre, un briquet, c'est un d'or. C'est ça qui est chiant. Oh, donne-moi des. Donne-moi de la du fer là, gamin. Allez. Du fer, bah vas-y, donne-les. Oh putain. On a de quoi acheter. Bon, on va essayer d'en avoir 10 des TNT au moins. Dans 10 TNT, ça fera 3 fois 10. 2 heures en plus, 2 heures en plus, ça serait le top. De quoi? De racheter un arc qui. Mec, mais j'y pense. J'avais deux briquets, il doit y en avoir un là. Non, il n'y en a pas.
Je l'avais pris. Par contre, il y a une épée du Hulk, je pense que ça m'intéresse. Ah, j'en ai déjà une. Ah non. Ah, c'est bon, je l'ai. J'attends d'avoir. Ouais, j'attends d'avoir 30 TNT, puis. D'avoir 30 fer, puis après on attaque. Tiens, je te rends toute la merde qui me sert à rien que je récupère. Tiens. Éloigne-toi quand tu fais ça, parce que je crois que c'est moi qui ramasse. Crache les gens plus loin. Mais tu les craches devant ton nez, je veux pas les ramasser. Balance plus loin. Lève la tête, ouais, c'est bon. Lève la tête et là c'est bon. Et tu vas quand même peut-être que stack sur toi. Si tu as un or en trop, je le veux bien pour m'acheter un arc rapidement et lui faire suer. Faire le courroux. Hein. Regarde, vas-y, balance un or. Oh mince, je t'ai balancé deux. Rends-en un. Pour le briquet. Il me reste 9 fer et après on pourra attaquer. 8. Une petite plateforme de tir. On a un or en plus. Il reste plus que 6 de fer et on aura 10 TNT. Mec, ça sent trop bon. J'ai faim du coup. Et regarde à ce qu'il nous rush pas quand même. Non, t'as raison, t'es avec moi. 3 de fer. Le fait, je me prends assez loin. On a 3 d'or. Et il nous reste plus que 2 fer à avoir et on. Putain, ça fait déjà 2 fois. Le gars, j'ai à peine bougé. Je me suis à peine déplacé. On va les faire péter là. Ils sont tous sur le toit. C'est encore lui, Pierre. Ça vous a deux fois. Ils vont avoir collection d'arc. Vas-y. Le but, c'est de les tuer. T'as combien de TNT sur toi? Ça y est, on en a 10. Okay. Prends juste une pioche, s'il te plaît, et c'est bon. Du coup, c'est lui ou lui? Je me souviens plus, c'est lui. Un briquet. Bam, les 10 TNT dans le cul. Et on y va. Ah oui, tu voulais des pioches, t'as dit. Bah vas-y, prends-la. Moi, je sais pas comment on achète ça. Enfin, je sais pas où on achète ça. J'ai pris le briquet, mais c'est bon. Il a déjà 2 kills, hein. Il t'a déjà bien amoché le petit. Hein. Ah, attends, ils sont en train de monter. Là. Il rush ? Ouais, il rush en hauteur. Il rush sur le pont du haut. Prends une arme. Bah vas-y, moi j'ai une épée à la limite, mais. J'ai pas grand chose de plus. Hein. Putain, s'il me touche avec les TNT, je suis deg. Il est tombé ? C'est bien, ils nous ont facilité la tâche. Ils sont vraiment cons.
Non? Pas besoin qu'il soit mort. Oh, les bâtards. Les TNT et le briquet. Putain, l'enfoiré de ses morts. Mec, il faut les tuer là. Il n'y a plus une seule solution. Je fonce dans le tas et je les tue. Je dois récupérer ma TNT. J'en ai tué un. C'est lui qui avait la TNT. Prends, récupère. Tue-le et récupère la TNT. Ils ont plus de lit. Ils peuvent pas respawner. Oui, ils peuvent pas respawner. Ils ont plus de lit. Non, ils ont plus de lit, je te dis. Bon, bah alors on l'a tué. Je l'ai pété son lit, leur lit, je l'ai pété. La honte. Quoi? Mais ils peuvent pas respawner, ils ont plus de lit, je l'ai pété leur lit. Bah ils ont cheaté alors parce que leur lit il a explosé. Hein. Non mais tu sais que le lit il repose. Voilà, descend et essaie de voir si t'as une étoile. Essaie de faire gaffe qu'il se voit là. T'inquiète, je m'infiltre. En mode sneak. Chut, chut, vas-y regarde. Discret, discret. Discret. Discret man. Je suis discret man. Tiens, prends ça dans ta face fumier. Voilà, dans le vide. Hein. Bah je sais pas. Voilà, je vais te dire ça tout de suite. Oui, ils ont un lit. Faut que je le pète. On peut péter leur lit à eux. C'est ça, viens fumier. Putain, il va m'avoir. Putain, il m'a eu le bâtard. N'empêche qu'ils ont perdu les TNT, si c'est quiconque qui les avait. Par contre, si c'est lui qui les avait, bah ils ont encore des TNT. Mec, faut absolument que tu descendes et qu'on... Mais pourquoi tu vas pas les tuer? Parce que j'ai pas d'épée. C'est marrant. Mais va en chercher une, ça coûte un fer. J'y vais, je te montre ce que j'allais faire. Jeu de mots pourri. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas compris mon jeu de mots pourri. J'ai dit ça coûte un fer et moi d'appuyer sur le mot, je vais le faire. T'es vraiment trop con. La blague de merde. Ok, ça y est, il rush. Tu les retiens. Il me tire dessus à l'arc. Il me faut un de plus et je peux, c'est bon. Je peux essayer de les retenir. T'inquiète pas, il arrive pas à me tirer dessus. Si, ça y est. Ah putain, ils ont un arc sur shit, mec. Je t'explique même pas quoi. C'est un peu le tien. Bah ouais. Bah oui, putain, ça m'énerve. Bon, tu sais quoi? Il faut absolument un arc. Ça coûte combien un arc? Un arc c'est 4 francs en tout, c'est parce que c'est la flèche. Putain. Moi j'y vais sans armure, mon gars. Fonce, faut courir. Il a un arc. Faut esquiver ses flèches. Il t'a eu? Casse et on se barre. Casse le mur. Vas-y, tu me prends. Soy. Putain! T'avais de la TNT, mec? Oui, j'avais une TNT. Oh putain! Justement, si je rushais, c'est pas pour rien. Parce que j'avais de la TNT sur moi. Mec, je vais récupérer les TNT avec rien. Je vais juste récupérer. Tu récupères la TNT, puis si tu vois que tu es trop mal barré, tu sautes dans le lit.
Ouais, au moins il pourra pas la récupérer. Mec, s'il a rushé avant moi, je suis dans la merde. Il a une putain d'épée. Non, c'est bon, il est resté à son spawn. Tu m'auras pas fumier. T'auras pas le kill. Il l'a récupéré. Ouais, putain, on est en train de se faire défonce, mon gars. Ah, j'ai un Stevie. Ah, c'est bon, j'ai peur. J'étais déguisé en Steve pendant un temps. Attends, je commence à acheter un briquet parce que là on est dans le caca. Il nous faut un arc. On n'a pas le choix. Moi non, mais toi peut-être. Il nous faut un arc. Je sais pas où ils sont. Les TNT. Ouais, les briquets et tout ça. C'est là peut-être. Putain, j'aurais pris le temps à trouver. Une TNT, ça suffira. Bon alors, du coup. Bon. Putain! Il m'a volé. Je prends une TNT. Mec, j'avais 10 TNT, quoi. Ils ont récupéré 10 TNT. Oh, ça fait chier, hein. De bien son stuff. Oh putain! Ça fait deux fois hein, quand même hein, que tu me le fais le coup là, un PD. Ça fait deux fois qu'il me pique mon briquet. Donc tu vas commencer par me rendre mon briquet. Super. Ben, du coup, le villageois il a dû tomber aussi. Non, il a pas bougé. Tu bouges pas surtout, hein, connard. Bon, tu sais quoi? Attends. Je reprends mon stuff que j'avais parce que là, ça a abusé. Et mon briquet. Attends, j'en prends deux parce qu'il m'a piqué deux briquets quand même. Hein. J'avais deux fois de l'or, deux fois disparu. Voilà. Mode 2. Voilà. Je m'en fous. Bah, il verra dans la vidéo, mais. Il verra dans la vidéo, mais c'est pas grave. Il verra que j'ai. Ouais, pas besoin. Mec, je me suis fait piquer deux fois mes briquets. Attends, j'ai le droit de les reprendre. Hein. Deux fois je mets de l'or, deux fois il me les pique. Après j'essaye de les récupérer, sauf qu'il me fait tomber ce bâtard, donc du coup je peux pas. Est-ce qu'ils sont là-bas les camps? Tiens, avant de faire des conneries avec. Voilà. On va pas les. Ceux-là on va éviter de les perdre. Hein. Et ça aussi, tiens, garde-le. Ça nous fera toujours ça de moins à racheter. Sur l'escalier, je l'ai mis. Mets-le dans le coffre. Ça, même si toi tu meurs, au moins on le perdra pas. Est-ce qu'ils sont toujours là-bas, les connards? Non, je crois qu'ils sont descendus tous les deux. Ouais, ils sont descendus. J'entends des flèches voler. Non, ils sont pas descendus, ils sont restés en haut. Ah mais je suis con. Mec, on a fait un chemin en bas. Et sur le chemin d'en bas, vu qu'ils sont en haut, on est protégé. Vu qu'il y a notre chemin d'au-dessus qui nous protège. Intelligent man. Et là, ça y est, il peut plus me tirer dessus. Voilà, je lui ai mis le guac. Oh le bâtard! Mec, son arc il est sur cheat! Je sais, ils ont. Un arc niveau 2 ou niveau 3?
Ils ont pété le pont. Ils ont pété le pont. Mec, faut que tu le défonces à l'arc. Il n'y a pas d'autre solution. Ah non, moi je peux pas là, j'ai plus que 2 coeurs de vie. Enfin, j'ai plus que. Là, ça remonte doucement, mais. Il m'a fait descendre à 2 coeurs de vie quand même, hein, tout à l'heure. Ok. Il est en haut, il est tout en haut. Et ils ont la zone du haut et la zone du bas, ils maintiennent les deux. Oh! Il s'est passé quoi? Ben, je sais pas, mon Minecraft, c'est devenu l'écran de base. Et j'ai crashé. Il a crashé mon Minecraft. Oh, les amis. J'ai crashé, hein, c'est pour ça que je reviens là. Qu'est-ce que tu disais, toi? J'essaie d'agrandir un tout petit peu mon terrain. Il rush? Non, j'ai dit qu'il faut que je... Il s'était planqué, il était venu retourner en arrière. Mec, j'espère qu'on va gagner parce que là. Ou la flèche qui est pas passée loin de moi. Vas-y, bouge pas. Je fais aussi une base de l'autre côté pour. Hop. Fais gaffe, si tu veux passer, passe à côté. Parce que là, si tu. Oh, mais tu t'es mis en mode survival, faut te mettre en mode aventure. Et oui, justement, c'est pour ça que j'ai fait 3 blocs. Si tu veux passer, tu passes par ici. Non, je peux pas passer, mec. J'ai 2 TNT et je prends pas le risque. Hein. Mais justement, si tu prends pas le risque, alors fais. L'autre avec son arc, il est fourbe en plus. Vas-y, donne-moi un arc. Le mien, j'utilise le mien, problème. Bah vas-y, voilà. Donne-le pour l'instant et tu construis ta base là. Ou alors défonce-le. Tu tires pas assez haut. Ouais, si je peux pas tirer plus haut. Attends, faut que je pète ça par contre. Je vais pouvoir tirer plus haut. Alors, ça touche. Il est descendu. Attends, deux secondes. Il est descendu. Je tente le rush. Vas-y. Tente le rush et si tu vois que c'est mal barré, tu sautes dans le vide, c'est la meilleure méthode. Mec, le pont, ils ont pété le pont, on peut pas. T'as des blocs? Ouais. Donne des blocs, ils sont descendus, donne les blocs, vite. Pourquoi j'arrive pas à les prendre? Pourquoi je la prends pas? Ah, c'est bon. Tu les as. Ça les a pris. Ils sont sur le chemin du bas, fais gaffe. Ils sont là, reviens en arrière. Ça touche ou quoi? Non, ça touche pas d'ici. Oh, ça touche. Ça touche, j'ai vu. Ah! Vas-y, essaye de leur faire reboucher tous les trous. Dès qu'ils rebouchent tous les trous, mec, je cours et je leur fais péter leur gueule. Ils sont descendus là? Oui, ils sont au premier étage. Et leur base là? Ah mais ils sont descendus là, ils sont plus dans leur petit truc. Vas-y, cours. Non, ils sont dans le truc, recule. Mec, ça lag. Non, pas à ce moment là quoi, sérieux. Ça a lagué pile au moment où je suis arrivé devant. Maintenant, je retiens leur prénom, c'est plus facile de viser.
Ah, comment tu fais pour pas toucher là? Ils sont apparents en plus. Et Tristan qui tire alors qu'il sait pas tirer, c'est juste magnifique. Pourquoi tu tires pas là? Donne-moi ton arc. Si tu tires pas. Va en acheter un maintenant, ou alors vas-y, passe. Bah attends, attends. Attends, je vais en acheter un. Il doit y avoir assez d'argent maintenant à la base. J'essaie de trouver leur, de trouver de... Le problème, c'est qu'il y a un gros décalage avec les flèches. Attends, je vais essayer de trouver leur truc là. Putain, On peut pas les avoir d'ici, on est dans trop le loin. bazar là. Oh, il y a même pas d'or quoi. Ça coûte combien un arc déjà? 3 or. L'or, elle a même pas spawné, il y en a qu'une. Pas d'or non plus là. Ouh, j'ai... Tristan, il a failli me toucher. Deux, j'ai 2 or. Allez, plus qu'une et je peux acheter un arc. Après des flèches, t'en as combien toi? J'en ai qu'une. Attends, il répare le pont. Attends, vas-y, il répare le pont. Oh, j'ai shoot à mort là. Si je pouvais faire un tour plus haut, ça serait nickel parce que là je suis un tout petit peu hors de portée. Et du coup j'ai un peu de mal à tirer. Allez, je voudrais de l'or, s'il vous plaît. Ce serait sympathique de votre part. Mais ça prend 3 heures, c'est trop Ils ont long. rushé, hein, je veux pas dire, mais à force de prendre des flèches, ils ont fait un. Ils ont rushé. Mon arc qui prend quand même cher à part ça. Il passe au ras. Je peux pas me viser là. Ils peuvent pas en fait s'approcher parce que dès qu'ils s'approchent, ils se prennent une flèche. Il a compris que si ça avançait un peu trop. Re, pardon. Ah, ça y est, je crois qu'il y a de l'or. Mais merde, plus qu'une seule d'or et c'est bon et ça veut pas venir. Allez, c'est bon. Toi, connard. Ok, j'arrive. De leur zone, donc je vais ramasser un tout petit peu notre base. Allez, allez. Ah, c'est bon. T'as eu les 4 heures en tout pour pouvoir acheter l'arc et la flèche? Et j'ai 12 TNT. Il a été obligé de reboucher. Il a été obligé de reboucher. Maintenant que je me suis rapproché, il prend beaucoup plus, hein. Je vais peut-être réussir à le tuer. Si j'arrive à le tuer, je m'en fous, je prends son stuff.
Putain, il se met tout le temps hors de portée de mon arc. Vas-y, essaie de l'occuper. Il s'est remis dans sa maison. Grosse erreur. Il s'est enfermé dans sa maison. Bâtard. Mec ! C'est des fous. Vas-y, ça me permet d'augmenter la taille du machin. Oh, je l'ai touché. J'avais mis une flèche sur son bloc, il l'a pété, il s'est pris la flèche dans la gueule. Non, pas toi par ici, reste en haut, parce que ça c'est ma zone de tir personnelle, mon mise au point. Quand il bouge plus beaucoup. Là, on est en train de marteler. Faut pas les laisser sortir. Attends, je ralentis un peu mes flèches quand même. Attends, dis qu'il sort. C'est bon, je l'ai touché. Il s'en est pris trop plein. Oh, toutes les flèches qui s'est pris. Je l'ai vu, il est passé rouge. Ouais, j'en ai. Ça a touché, moi. En fait, c'est dès qu'il casse un bloc, en fait, il se prend les flèches dans la gueule, du coup. Bah... C'est comme ça qu'on les touche. Oui, c'est pas trop mal. À droite. Ouais, je l'ai touché. Tu l'as touché, toi. Ouais. Mais là, il était bon. Là, on a repris la partie en main. Il y a peut-être du bon stuff. Mec, il y a une flèche qui est passée à 3 cm de ma tête. Je sais, moi aussi, en général, c'est ça. Tu vis tout le temps la même zone. Oh, il t'a tué. Oh, merde. T'as aussi... Oh le bâtard, vite, fonce. Il va rusher. Il va rusher jusqu'au stuff. Fonce, il y avait toutes les TNT et tout. Il va arriver sûrement avant moi. Mon but, ce serait de lui foutre 2-3 gifles et de le faire. Ouais, parce qu'au moins, si on... Non, il n'y aura pas, non. Il a essayé de venir ou pas? Le problème, c'est qu'il m'a re-shoot. Il te tout shoot, dépêche-toi. Il a pas le temps de venir, mais donc tu as le temps de dire. Putain, le bâtard! Dépêche-toi, faut que t'arrives avant lui. Bah, vas-y, toi. Toi aussi, tu t'es encore fait shoot. Le problème, c'est que là, maintenant, il faut que j'arrive et que. Attends, j'arrive avec un bloc et je bouche. Toc toc. Gros, toi, il a pris les staffs, ça y est, c'est trop tard. Trop tard. Oh, putain. Il fait suer quand même parce qu'avec son arc le power 3 je peux rien faire. Trop tard. On peut plus rien faire par contre là. Putain, quel PD. C'est bon. C'est bon. S'ajouter. Non, mais je suis en sécurité, j'ai rien dit. Faut passer par en dessous là. Là y'a plus qu'une solution. Faut passer par en dessous et péter leur lit. Vas-y, occupe-les, genre occupe-les, et puis moi je me mets en sneak et je vais en dessous. Tu passes en dessous, moi je vais tenter tranquillement. Mec, il a pris les arcs, les TNT et tout. Il a tout sur. Le pire, c'est que là, si t'arrives à le faire tomber, avec le matos qu'il a sur lui, là, tu peux lui faire vachement mal. Alors, team, surtout, je peux faire mal. C'est bon, ils l'ont dans le cul. Ah ! Mec, tu. Ok, il est cheaté. Il a Nodus ou un truc comme ça, genre les flèches elles peuvent passer à travers les murs. Non, c'est... Si. C'est sûr et certain, mec. J'étais Nodus, entre... Ça peut passer les flèches à travers les murs. Hein, non, mais il a un logiciel comme ça, puisque j'étais en dessous. Et ces flèches, elles sont passées à travers les blocs et elles m'ont pété la gueule. Donc il y a qu'une solution, il triche. Non, pas forcément. La flèche, là. D'où il m'a eu. Eh, t'as vu? Ces flèches passent à travers les murs. Ça vient de me le refaire. Ces flèches, elles passent à travers. Je sais pas quel logiciel il utilise ou un truc comme ça, mais en tout cas, il est cheaté. Le truc, là, c'est qu'ils sont dans la merde si on arrive à passer par en dessous. Attends, j'ai pas bougé d'un seul coup. Une flèche.
Attends, j'y vais sans rien du tout. Je tente un rush de malade. Je passe par en dessous, moi, pareil. Moi, je tente. Je pars sans rien, aucun stuff. Je vais juste aller lui foutre une patate et faire tomber. Il arrive. C'est Kikan ou c'est. Merde, c'est Kikan, fais gaffe! Oh merde, j'ai bouché le lit. Je suis là, mais je suis plus là en fait, moi, j'ai remarqué. Ah putain, il fait putain, il a fait péter notre lit. Ah, oh, bien joué, GG. Non, mais c'est bon maintenant, les mecs, c'est fini, arrêtez-vous. Ah oh, shit. Attends, on les reprend en conversation et on demande bah, si, ouais, on ouais. Si on fait. Non, bah non, 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 non. Bah non, attends, ça fait déjà. La vidéo, elle a déjà duré plus, qu'elle ne fait, plus qu'il fallait. Hein. Donc, du coup, je les réinvite. Ils ont eu du bol. Ouais, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Ces flèches, il est placé toujours. Elle était chaude. Donc, voilà. Bien joué, bien joué. Mais c'était bizarre comme tes flèches, on se faisait shooter à travers les escaliers. Non, non, ça c'est parce que, en fait, le Minecraftien, c'est très dur de le cacher derrière deux blocs. Et qu'il y a toujours un pixel qui dépasse. Et que arriver à toucher ces pixels est super dur, mais quand t'arrives à le toucher, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con ? On a gagné. Bon, les mecs. Bien joué, ouais, bien joué. Plutôt il a gagné parce que c'est un peu lui qui a tout fait. Ouais, j'avoue. Je peux tuer mon coéquipier? Attends, non, je vais tuer. Comment je fais pour revenir? Attends, je vais t'en dire un cadeau. Ah, ah là là. Ah, moi aussi, je vais, je l'accompagne. Et je suis revenu dans notre base. Ah ouais, moi aussi. Notre technique à nous, c'était de protéger notre lit et de vous attendre. Vous êtes dans notre base, vous allez voir. Eh, hey, vache, j'ai fait combien de kills là? Wow. Ah oui, bref, venez dans notre base, regardez un peu. En plus, quand vous avez fait sauter notre lit, j'ai bien cru que tout était perdu. Hein. Sauf que j'ai réussi. En fait, il était mort, bah. Oui, oui, sauf qu'on a, je l'ai récupéré et on a réussi comme ça à le reposer, à dormir dedans la nuit. Après, on a tout reconsolidé en 2 secondes. Enfin, il a tout reconsolidé. Moi, j'ai essayé de faire un escalier vers votre truc. Viens, Mathis, viens voir où il est notre lit. Putain, mec, vos micros ils bug, mais. À ce point-là? Ah ouais, je te jure. Et y'a plus notre lit? Non, en fait, pas toi, c'est juste Kikan. Okay. Kikan, ça fait. C'est bon. Ah, t'imagines que j'entends comme ça depuis tout le temps? Non, mauvaise idée. Ah, tu l'entends mauvaise comme idée, ça, toi? Non, mauvaise idée, non? Non? Moi je vais dedans, je suis un ouf. Bon allez, va t'en mourir. Pas avec de la TNT. Moi non plus, je m'en vais pas avec de la TNT. Je suis pas mort avec de la TNT. Je suis mort fait l'autre zone. Je précise. Bon les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.